Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et oui, je vais tester mon nouveau setup. Salut Étienne, comment ça va? Voilà, puisque donc la semaine dernière, évidemment, j'étais pas disponible, qu'il faisait très très chaud. Mais en plus de ça, j'avais commandé des nouveaux composants pour mon changement de décennie, n'est-ce pas, qui arrive dans peu de temps. Et du coup, voilà, j'ai voulu essayer de faire un petit peu différemment. Essayer de l'améliorer un petit peu, sachant qu'en plus de ça, évidemment, il y a un objectif professionnel derrière aussi. En plus, donc, ouais, hop là, hop, ma webcam tombe, voilà. Donc, ouais, tout va bien, tout va très bien. Du coup, on va en profiter, on va pouvoir jouer tranquillement. Je vous l'avoue, je ne fais pas de classé. C'est vraiment pas mon truc. Peut-être que j'en ferai un moment ou un autre. Pour une raison simple, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour jouer. Ah, et on entend quand même encore les avions. Mais voilà, donc, du coup j'essaie quand même de jouer de mon côté. Non, c'est pas une 2080, Étienne. Non, 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 c'est un modèle un petit peu en dessous. Ouais, quand même. Mais c'est tout aussi bien. Enfin, tout aussi bien. Non, c'est quand même moins bien. Mais par rapport à ce que j'avais avant, ouais, dans le sens où. Avant, j'avais une 970. Sur certains aspects, quand même, ça commençait à traîner, hein, et à tirer un petit peu la langue. Salut Caribou! Donc, ouais, donc, il était plus que temps que j'upgrade à la fois comment dire, ma carte graphique et mon proco. Parce que là c'est simple. Hein. Avant, au niveau du processeur, quand j'étais en train de streamer, je le tournais à 10%. Là, je regarde, mon proco tourne à 1%. Voilà. Tranquille quoi. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir jouer tranquillement. Si vous voulez que je joue des navires particuliers, il n'y a pas de soucis. Du coup, salut Apo, salut Cyril. Voilà. Allez, tout le monde arrive, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Sachant qu'évidemment, il y a des navires que je n'ai pas le droit de vous montrer. Là, vraiment, je suis toujours un petit peu frustré par rapport à ça. Sachant que comme en plus, voilà, j'ai pas non plus énormément de temps pour jouer. Bah, généralement, surtout sur les navires de test. Du Yamato, pas de soucis, Caribou. Hop, alors, Yamato, Yamato, Yamato. Hop, il est là. Voilà. Peut-être que je monte le son. Parce que du coup, hop. Parce que comme évidemment, tout a changé au niveau de mon setup du BIOS, etc. Peut-être que je remonte un petit peu le son. Non, musique en bataille, non. Son d'ambiance, on va mettre un petit peu plus de trucs comme ça. Pas trop non plus, pour éviter les dégâts, mes pauvres dégâts aux oreilles. Ce serait un petit peu gênant. Hop, niveau des pavillons, je suis bon. C'est parfait, voilà. Elle est partie de chauffe, même si je vous le dis tout de suite, je n'aime pas en ce moment jouer tier 10. Voilà. Je trouve que c'est pas. C'est pas intéressant en ce moment, je trouve. Je sais pas pourquoi. Profiter. Voilà. J'ai bien activé les batailles navales à peau. Comme ça, voilà, on aura plus de pétrole. Oui, n'est-ce pas, Étienne? C'est clair. D'Italie, 2 DD, il y a 2 croiseurs. Il y a pas mal de choses intéressantes. Ouais. Ok. Ok, on va voir ce que c'est là. Oui, comme quoi, il faut que je remette tout. Du Balti, Étienne? Ça doit pouvoir se faire. Pour le coup, ça fait un moment que je l'ai pas joué, le Balti. Ça fait un petit moment, ouais. Hello Verk, ça va très très bien et toi? Donc on a. Du coup, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'on avait. Z23. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ok.
force qui se dirige par là. C'est le Oik. Et le Oik est en dive avec un Bourgogne. Ok. Donc que je fasse attention. Ouh, ça commence très très fort, dites-moi. Allez, je m'en vais. Week-end, vacances, avec les renquêtes qui ont commencé. C'est pas bon pour le sel dans le chat. Hein. Je n'avance pas très vite. Plutôt aller sur Sander. Petit 14 000. Ouh, le Z23. Là, c'est plus un tir réflexe qu'autre chose. Ouh, on sent le graphe. Je pense que de toute façon cette partie-là est très très mal engagée. Là malheureusement il faut que je me désengage. De ricochet. Oui. Oui, mon ami. C'est clair que si de l'autre côté, tout notre groupe ne pousse pas, je ne vois pas comment on peut gagner. Vous avez vu là, ici là? C'est beau. Hein. Obus au total qui ont touché 14 000. Là, je... Non. Vous allez voir que là, alors que je suis en train de tourner, et que j'ai fait exprès de légèrement bidouiller... Bon, ça va. J'y crois moyen, hein. Mais bon, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Ouh, maintenant j'ai percé, cool. Tous mes trucs qui ont... Voilà. Ben voilà.
Salut Emrette. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et vous allez voir, je vais me faire report parce que j'ai pris aucun dégât. C'est que là en fait je, voilà, soit je m'attaque au Kurfürst, mais à ce moment là je me prends le bourbier dans la tronche. J'ai pas mis assez de libre, je pense. En plus il a l'air de tirer en approche. Salut Froman. Je sais que je peux faire des dégâts sur le bobo. Donc on va essayer de faire quelque chose. C'est chiot. Le problème il est là, c'est que je peux pas m'avancer parce qu'il y a les deux destroyers. Nice support. Non, c'est toi qui n'as pas fait ton boulot. Nuance. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on remonte. Voilà. Ça va être compliqué. Je tirais un peu au pif. Voilà, parce que là, de toute façon, malheureusement, c'est ça. Hein. Eux, ils ont du spot. On n'en a pas. Mais très, très compliqué. Et là, bon. Mon avion de spot ne sert à rien. Salut, docteur Didi. Ah oui, c'est un stomp, ça, c'est clair. C'est pour ça que je ne joue plus tier 10 en fait en ce moment. Parce que quitte à ce que ce soit un stomp, ben, en bâtir ça dure moins longtemps parce que les navires ont moins de points de vie. C'est bête hein. C'est tout bête. Je sais pas ce qu'il fait notre épu. Hein. Bon, on va former les dégâts. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là le graphe, mais. On va voir ce que ça donne. Hein. Deux peines. Le booster qui s'arrête quoi. J'y comprends rien. Là il est eu bobo le Z. Là il est eu bobo. Pas forcément aussi perdu que ça. Bim.
Parce que là, le Wooster, il fait pas le fier. 4, 3. Que je fasse attention en Bourgogne, par contre. Voilà, puis. Je crois que ça mérite un petit. Voilà, pu, parfait. Le problème, c'est que le Bourgogne se cache. Et ça va être compliqué. Parce qu'il est en mauvaise posture, lui aussi. Hein. Ouais, là. Alors, du coup, hop, hop. Se cache. Non, ça va quand même être compliqué. Ça va quand même être compliqué. Mais il est gentil avec ses... Mais il est gentil avec ses pipis. Mais il est gentil avec ses pipis. Ch'tonk, ch'tonk. Allez, on avance. Et le Bourgogne là. Mais il fait 124. Allez, est-ce que je peux au moins avoir aussi un petit... Non, non, bah non, j'ai pas, j'ai pas. Hello Franck, hello Commander, hello Ben. C'est terrible. Moi aussi j'ai mon soutien. Allez Coco. Quitte à ce que la partie soit perdue, autant que on puisse faire quand même un petit quelque chose. Bouge pas mon coco, je t'ai vu. On espère des combats rapprochés. Allez, allez, on y va, on y va, on y va, on y croit. C'est l'Alex. C'est tout. Purée. Trois, deux. Voilà, ça c'est fait. Je conconc. Voilà, allez, allez, allez. Bon, de toute façon, moi je suis mort, hein, mais. Voilà. Ça a été quand même un beau fight sur la fin.
Voilà, d'ailleurs. Voilà. Bon, ça ne nous empêchera pas de perdre, mais c'est mieux. N'est-ce pas, Alex, hein? N'est-ce pas? Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais juste vérifier un truc parce que j'ai fait une petite erreur dans mon timer. Edit, c'est pas TTO, c'est tuto. Voilà, tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Hop, donc on m'a demandé ensuite du Balti. Hop, oui, je vais quitter la bataille puisqu'elle est perdue. Salut Sky, hello héros. Voilà. Oui. J'invite. Voilà, je vais aller me mettre. Ah, il y a ma fille qui regarde Arte en même temps. En stream. Voilà. Dans ma... Ah, mais alors j'ai un gros souci avec le. Ah, attendez. Hop. Voilà, normalement ça devrait être bon. Tac, tac, tac. Ouais, non, non, non. Si. Je crois qu'on m'entend vaguement. Je sais pas trop si ça marche bien sur le. Sur le Discord, parce que je vois que ça s'affiche moyennement. J'ai un petit souci par rapport à ça. Discord fonctionne assez mal. On m'a demandé du Belty Sky. Oui, exact, c'est vrai. Donc voilà, ouais, je sais pas ce qui se passe en ce moment en fait. Discord. Alors que pourtant mon Discord connecte et connaît et détecte mon micro, on m'entend quasiment pas. C'est super bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Alors, attends. Voix et vidéo. Pourtant je suis à fond au niveau. Voilà, et là, ouais. Non. Je suis à fond aussi là-dessus. Je sais pas, c'est bizarre. Bizarre. Enfin, passons. On va partir donc sur du T8. Voilà. Ou comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, je n'ai pas encore. Oui, Alex, bien sûr, j'ai l'Odin. Je suis loin d'avoir tout ce qu'il me faut. En termes de. Ouais, ça c'est bon. Donc on va booster un petit peu le capitaine. Oui, non, mais après je pourrais. Tiens, d'ailleurs. Oui, Etienne. Le souci, c'est que. Je sais pas. C'est que, en fait, quand je bidouille un truc, ça le rectifie d'un côté, mais ça le bidouille en moins bien de l'autre côté. Enfin, c'est super bizarre. Non, parce qu'il est bien détecté en audio. Je sais pas. Je peux pas. Ouais, pas de soucis après, Alex. Est-ce que c'est ça qui m'empêche de. Je sais pas. Il faudrait que je regarde plus précisément en détail. Mais bon, comme là, j'ai reçu ma config il y a peu de temps. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc, Balti, on va mettre plus. Non, c'est pas ça, c'est ça dont j'ai besoin. C'est pas des crédits dont j'ai besoin. XP commandant. Capitaine. Tac, tac, tac. On va mettre ça aussi pour mon premier. Ok. Tac, voilà. Et merci Sky pour ton follow. Bienvenue à toi. Allez, c'est parti. Ouh, du Romain, ça faisait longtemps. Voilà. Ouh, et puis tiens, ça me fait penser. Allez, point d'exclamation. KDO, espace 1, pour tenter de gagner un code surprise. Et paf, pim, balou, 33 poète, poète. Ouh, top tier. Ouh, incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Point d'exclamation KDO espace 1. Parce que je suis bon prince.
Exactement, exactement, comme ça. Ouais. Je vais aller sur la gauche. Parce que finalement, ils ont le Tallinn et Atlanta. Je suis le seul radar de notre équipe. Ah. Allez, on y va. Et donc pour ceux qui jouent cuirassé allemand, voilà, ça apparaît de temps en temps. Oui, Alex, ça se joue à peu près de la même manière. J'ai fait une vidéo hein, sur l'Odin. J'ai fait la version test et la vidéo version définitive. Et oui, il est très très bien ce navire. Et donc voilà, donc hop, comme vous avez pu le voir en haut, ouais, ou en bas, enfin ça dépend où est votre chat, ou éventuellement sur le côté. Alors là, ici, c'est Baltimore Sky. Voilà. Donc, croiseur lourd américain tier 8. Voilà. Donc, j'ai sorti il y a quelques jours à peine la vidéo tuto sur le Friedrich der Große. Voilà. Et du coup, ici, donc c'est un croiseur lourd relativement discret, 9,9 km. Exact. Oui, ça, c'est avec le camo America qu'on pouvait avoir il y a déjà quelques temps. Et beau petit radar. Il faut que j'aille me mettre de ce côté-là plutôt. Voilà. Et je n'avais pas vu, mais nous n'avons qu'un seul destroyer. Il n'y a pas de souci, Alex. Hello, Kazen. Merci, Lolo. En fait, je prends énormément de temps pour les faire, parce qu'il faut quand même que je joue un certain nombre de parties. Et Ouh, j'ai mon supermarché qui me dit qu'on a des réductions. Ouh. Et voilà. Et en fait, j'ai notamment donc utilisé. Ok, donc le DD de l'autre côté, parfait. C'est pour ça aussi notamment que j'ai amélioré mon PC. Puisque le but est de pouvoir notamment faire le traitement vidéo plus rapidement. Boum! Petit feu. Ouh! J'ai un nouveau son pour les. Il est là. Je sais pas de bêtises. Hein. On a fait les tuyaux. Maintenant c'est de la grande échelle. Est-ce qu'on a fait les tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Désolé si c'était un peu fort. J'aime ce chip. Ça se voit que j'aime ce chip. Donc là pour le moment ça ne sert à rien voilà, là je suis spot radar par l'Atlanta, ce qui est tout à fait normal. Cette chanson, c'était Sacha Distel. Voilà. L'Atlanta me veut, je vais attendre un tout petit peu parce que j'ai bientôt fini. Voilà. My turn. Oh, c'est tout. Déception. C'est mieux. Oh, maintenant le Georges V qui m'en veut. Oh, et. Chtwink! Ah oui, il y en a trois qui me tirent dessus. D'accord. Non, mais.
Ok, non mais ok. Faudrait peut-être d'ailleurs que je baisse un petit peu le son du machin. Là, je m'expose à un move extrêmement dangereux. 3. Si ça passe, ça va passer bien. Ah, caray. Là, j'arrête de tirer. Là, par contre, Atlanta. J'ai pas pris grand chose. Je n'ai pas pris grand chose. Non, mais t'es là, là. Tu repars. Voilà, t'as pu. C'est exactement ça, Froman. C'est celui-ci. Voilà, c'est exactement ça. le problème, en fait, alors, ce que je peux faire, hop, attendez, hop, ouais, attendez, tac, je vais. Voyons. Hublot. Hop, je vais déplacer mon hublot et je vais déplacer mes webcams. Donc, je monte encore un peu plus haut. Mettre là comme ça. Bon, est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Voilà. Enfin, c'est pas pour autant que c'est gagné. Hein. Est-ce qu'on est en train de se faire push de l'autre côté comme c'est pas permis? Pourquoi je te la paix? Là, je sais pas. Faut que j'attende. Après, vous me direz, on a les 4 caps. Et on repart en avant. Oui, j'avais choisi exprès cette chanson pour mettre un petit peu de bonne humeur dans le cas d'une ambiance potentiellement salée. Hello Septicos, comment vas-tu? Non, j'ai pas vu là cette écho parce que j'ai pas encore ouvert mes replays. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Ou demain, enfin durant ce week-end, je te dirai. N'est-ce pas hein? C'est une partie assez expéditive, je dois bien avouer. Je ne dirai rien, cette écosse, je ne dirai rien. Est-ce qu'on a eu aucune info? Ah, il est dans mon port. Oui, mais ouais. Je sais pas si c'est un oui ou quoi que ce soit, je sais absolument rien. C'est super frustrant, on n'a eu aucune info là-dessus. Allez! Ah, c'est bien, le King George me veut, moi. Notre équipe a pris
là on va faire comme ça. Voilà. On va faire un petit coup comme ça. J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Oh. Voilà, un petit 10 000. It's mine. Ce chip, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Oh là, j'en ai trois qui me visent. Hop là. Ah, j'en ai quatre qui me visent maintenant. Wouhouhou. Ma fille regarde un documentaire sur les bernaches du Canada. Non, c'est pas vrai. Les loups pêcheurs du Canada. Ah pardon, les loups pêcheurs du Canada. Je mets plus d'incendie. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais. Là, je repasse à la paix. Ah, ben voilà. Je conque. Mine again! Salut, Albitos. Oui, j'ai vu. Le Yoshino. Non. C'est pas mon style de jeu. Enfin, le Yoshino est un bon navire si tu le joues uniquement de la manière dont il est joué, enfin dont il faut le jouer. Voilà. Si tu veux le jouer un minimum différemment, non. Salut Bézalache. Oh. Peut-être meilleur. Donc voilà. Oh. Il m'a piqué là. Il m'a piqué. Hey yo maman. Merci pour ton raid. Hello à tout le monde. Salut Jeff Jambon. Oh, j'ai pas touché. Salut Joe, comment vas-tu? Oh bah, elle est gagnée. Hello Tutti. Joli. Hello Carmo. Ah, Carmo. Ça va. Salut Splolo. Comment allez-vous tout le monde? Salut Stiver. Donc, ça tombe bien, hein. Il y a un giveaway en cours. Point d'exclamation KDO espace 1 pour tenter de gagner un code surprise. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ce chip. C'est voilà, exactement comme ça. Voilà. Et bienvenue à tout le monde. J'espère que Mo, ton live s'est bien passé. Hop. Voilà. Ah bah exactement, Blason. Alors, bah, c'est simple, malheureusement, acoustique. Oh, bien joué, Carmo. c'est un sniper. C'est tout simplement un sniper, voilà, il a une bonne portée, il a de très bons obus HE. Voilà. Le souci, c'est qu'il a un blindage un peu troll, mais pas de la meilleure des manières. Et du coup, bah, malheureusement, voilà. Si jamais tu t'approches un peu trop, et que tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu vas mourir très 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 vite.
Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment le Yoshino, c'est un navire de, allez, deux voire troisième ligne. Ah mais Splolo, il faut savoir l'utiliser de manière correcte et c'est pas évident, hein, je suis entièrement d'accord. Là j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le jouer de manière mobile. Hein, voilà. Et yo Zazu, bienvenue à toi. Alors Gilles, qu'est-ce que tu m'as demandé? Oui, alors. Oui, effectivement, Splolo. Et donc, okay. Le Yukikaze, oui, il est correct. Il est correct. Est-ce qu'il est super bon? Je sais que Crosswax l'aime beaucoup. Moi, ouais. De toute façon, j'ai pas oublié que il fallait que je joue le. Ah, et du jambon qui me demande aussi un Cleveland. Eh ben, dis donc. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Donc, il y a Odin. Et ensuite du Cleveland. Ok. Attends. Et. Oui, du coup, tu m'as pas dit ce que tu voulais que je joue comme bateau. Hey, yo, Stargate. Alors, si je vais. C'est bien, tout le monde arrive. Oh là là. Hey, yo, Coyote. Alors, Yukikaze. Voilà. Faites le Yukikaze. Hop, hop. Voilà. Voilà. Niveau des torpilles, en fait, c'est des torpilles qui vont à 8 km et qui sont rapides. Donc, ça c'est quand même assez pratique. Je t'avoue néanmoins, même si globalement c'est un Kagero, hein, c'est pas le souci. 8 km pour moi, c'est un petit peu juste. Le fait qu'elle soit super rapide, hein, 76,9, c'est vrai, c'est génial. Mais en fait, le gros souci, c'est que. Ouais, c'est clair cette écosse. Le gros souci derrière, c'est que 8 km dans une méta où il y a quand même pas mal de radars. Ou ne serait-ce que des avions, etc. 8 km, c'est chaud hein, pour pouvoir lancer les torpilles. Faut, voilà, c'est un navire qui se joue de manière assez risquée en la matière. Et je t'avoue, 2 km de différence, même si celle du Kagero vaut quand même beaucoup moins vite, bah, finalement c'est assez agréable. C'est 2 km. Voilà. Exactement, empoisonneur, ouais. Ouais. Avec le nombre de navires maintenant qui ont des radars à longue portée, c'est terrible. C'est terrible, terrible, quoi. Donc voilà, moi perso, je ne me risque pas de jouer. Alors, on va passer en T8. Odin! Alors, Odin, c'est horrible. C'est KDO espace 1, Camoulox. Voilà, parce que l'Odin. Oui, BZH, oui, je suis entièrement d'accord. Les torpilles sont très sympas sur Yukikaze, mais je te dis que moi je suis pas à l'aise avec le fait que ce soit en 8 km. J'avais fait il y a quelque temps. J'avais fait il y a un moment de cela. J'ai joué le Yugumo avec des torpilles, mais accéléré à fond. Vraiment, du coup, les torpilles avaient vraiment courte portée. On était sur du 8-9 km. Injouable. Juste injouable. Rien, tu pouvais rien en tirer à cause de tous les radars. Non, ah non, c'est pas du tout un Bismarck, hein, un Splulo. C'est un Chardon, c'est l'équivalent d'un Chardon. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que là, donc juste avant que je lance le stream, j'ai fait une partie en Odin, parce que je sais qu'il y avait une mission où il fallait faire 80 000 de dégâts, je crois, en Odin ou en Aguirre. J'en ai fait 79 000. Donc là, on précharge l'HE. Ah mais heureusement, Splulo. Heureusement. Voilà. Heureusement qu'il ne se joue pas comme un Bismarck. En fait, ça donne un gameplay qui est assez sympa. Il est relativement précis. Non, vraiment, je l'aime beaucoup, l'Odin. Alors, sauf que bon, maintenant, on va voir. Thunderer, Profond, Jordi. Il y a au pichon. Je vais manger. Celticus, je suis pas tout à fait contre les cuirassés, il faut savoir l'employer au bon moment. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Non, c'est pas le bon matchmaking, mais on va voir. Il manque de punch. Oui, et heureusement. Heureusement. Sinon, il serait vraiment beaucoup, beaucoup trop bourrin. Oui, mais c'est ça, c'est l'équivalent d'un Charmeur 108.
il est légèrement up dans tous les domaines. Et voilà. Donc ceux qui ont aimé le Char North vont aimer l'Odin. Oh, Swarz. Alors, Swarz, c'est très très simple. Il y a quelques temps, Tana avait rédigé des petits articles de présentation des streamers, etc. Et une des questions, c'était quel est votre navire préféré? S'il y avait un navire que vous deviez uniquement garder, etc. J'avais répondu, le fuseau. Je kiffe ce navire. Voilà. Pétro. Je m'en vais. Au revoir. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, ça veut dire clairement... En fait, le pétro est tellement bien placé. Ah oui, non, mais le main, c'est génial. C'est un très très bon navire. Le problème, c'est que voilà, le pétro est super bien placé dans tous les domaines qui couvrent à la fois... C'est aidé, donc on ne peut rien faire. Notre alarme ne peut rien faire. Ah ouais, c'est ça, c'est toujours le... Et ce sera toujours le problème, effectivement. Ouh, les gars. Il a tourné. C'était un peu à prévoir qu'il tourne hein, quand même. Ouais, le Roma. Je suis d'accord, le Roma c'est un peu frustrant comme navire. Attention en Hollande. Il va nous en faire tout un fromage. Désolé, humour. Yossib. Georgia est très sympa en effet. Hydro. Torpilles 6000, c'est bien. Ah non, ça je te laisse, je peux pas te laisser dire ça. Voilà, là je suis bon. Voilà, là il est hydro, c'est parfait. Alcolo. Je suis d'accord, le colo, c'est pas évident. Il y en a qui ont essayé. Je suis même pas spot quand je tire, c'est vous dire. J'ai ça là, ce machin là. Le pire c'est qu'ils font des moves bizarres et ça passe.
N'est-ce pas plus pour le lot? Donc là, ça signifie il faut que je parte. Je ne suis plus spot. Intéressant. C'est clair que si notre équipe n'avance pas, je vois pas. Comment dire? On a fait des tuyaux. Maintenant c'est de la grande échelle. Est-ce qu'on a fait des tuyaux? La panique nous les faut. Ah, le Georgia qui insta rep. Ok, donc on a un winner. Et on repart. Voilà, parce que là maintenant tu vas cramer. Tu ne crameras pas. Si, si. Oui, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà. Et yo ton mou, ça faisait longtemps, dis donc. Là, là, là. On a détruit un QAC ennemi. Grumpf. Ah ouais, non, mais là, ma team est là, un map contrôle, mais de folie! Donc là, je reste à la HE, hein, forcément, parce que sinon, je vais faire aucun dégât sur le pétro. Double feu. Encore un feu. Non, des torpilles. Il est gentil, le Z. On peut avoir un meilleur map contrôle, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, pas content, pas content, pas content. Et hop là. C'est pas la peine pour le moment. Là, je fais tout pour qu'il monte son broadside sur les autres. Hello, comment vas-tu? Alors on se fait tout sur le gars. Ah ouais, mais regarde, il... Là, là, là. Que t'auras une petite place en division. J'ai tout à fait la petite place. Non, c'est pas juste, c'est pas celui-là. J'ai raté. Oh, j'ai raté mon orbite. Hop. Je suis con.
Et malheureusement, je vais quitter la cape. Je vais quitter la cape. Non, non. Bonjour les gens. La tourelle principale a explosé. Mais j'ai perdu une tourelle. Elle est pas si perdue que ça, hein. Au final. C'est ça. Je suis maintenant un grave HP. Attends, je vais peut-être mettre le son du live en fait, parce que je t'entends absolument pas sur Discord. Ouais, j'ai. Non. Du coup, hop, sur le stream. J'ai un gros problème avec Discord. Je sais pas ce qui se passe. Par contre, si je fais. Hop, si je fais. Ça. Si par contre je fais ça, ça marche. Je t'entends, mais je t'entends sur le live en double. Ça vit beaucoup quand même. Ouais, donc là normalement tu dois m'entendre un petit peu mieux. Ouais, là je t'entends bien. Ouais, c'est super bizarre en fait. En détection automatique, Discord ne me. Enfin, mon micro est détecté, y a pas de souci, mais y a rien qui se passe. Par contre, dès que je me mets en push to talk, ça marche très bien. Au bras. Je ne. Ouais. Est-ce que tu as essayé de refaire une configuration, un test avec Discord, là, tu sais, au moment quand tu installes. Je pense qu'il va falloir. Un test de détection, tu peux changer. Je pense qu'il va falloir que je désinstalle Discord et que je le réinstalle. Je pense. Parce que ça, c'est vu que c'est une nouvelle carte mère également, voilà, je pense qu'il y a des trucs qui ont dû dire nope. Donc voilà. Faire un petit truc, attention, voilà. Donc j'en profite, hein, évidemment, point d'exclamation KDO espace 1 pour tenter de gagner un code surprise. Je clôt le giveaway juste après cette partie. Non mais Celticos, c'est pas un problème, j'ai un Ryzen 7 avec 32 gigas de RAM, c'est pas le problème. Tu as vu le message que j'ai fait pour dire que Victoria 2 était en promo super pas cher. Je sais pas si tu as Victoria 2. Alors, j'ai tout Victoria 2. Alors, j'ai récupéré tout Victoria 2 pour 6€. Donc, ainsi que Europa Universalis 4 pour 85. Le jeu de base. Le jeu de base, je sais, j'ai pas. Il manque des choses, je vais attendre. Ouais. Mais tout Victoria 2 pour 6€, ouais, je pense que c'est intéressant. Ah ben, sache que Victoria 2 c'est un simulateur politique, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est très particulier. J'ai lu un petit peu. Ouais, bon. C'est malheureusement très mal engagé. Stellaris. Ouais, mais Stellaris c'est vachement bien. Bon, là je crois qu'on est. On est foutu. Alors, je vais juste légèrement monter ton son. Voilà. Je vais juste dire à mademoiselle que c'est l'heure d'éteindre. Elle va pas être d'accord. Ouais. 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 Toujours les loups. Ma fille a une fascination pour les loups. Ok. C'est vrai. Alors, c'est parti. Toc.
Voilà. N'oubliez pas de récupérer les conteneurs Azure Lane pour les gens qui sont Prime sur Twitch Prime. Il y a un partenariat Azure Lane. Exact. Avec Allez. Un conteneur Azure Lane commandant. Je coupe le giveaway. Dommage. Hein ? Dommage ton mot. Peut-être que demain matin ce sera ouvert. La dizaine, Alex. Alors, je clôt le giveaway. Alors, qui t'a qu'à gagner? Ah ben voilà. C'est Alex. Donc GG à toi, Alex. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, en fait. Ah, c'est pas un nonothéiste. Hein. je suis dégoûté, je suis pas d'accord. Faut que ce soit un nonothéiste qui gagne. Donc, tac. Je vais tout de suite te donner. Ouh, la petite loutre. Quel tiers on va jouer ? Voilà. On m'avait demandé du Cleveland également. Ouais. Parce que Gilet, je sais pas ce qu'il m'avait demandé en fait. Ah oui, non, d'accord, il a fait une demande de bateau. Voilà, et en fait c'est pour faire son cadeau, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va rester en T8. Donc, oui, pardon, du T8. Bah, si tu prends du Cleveland, c'était un Cleveland, c'est ça? Ouais. Ok, bah, je vais te donner la possibilité de shooter les avions. Alors... Bah, pour activer les codes, il faut que vous passiez soit... par le lanceur, soit par le site web. C'est l'usé, comment vas-tu? Il faut que vous soyez logué. Et il y a un endroit sur le site web où est-ce qu'il y a marqué activer un code Wargaming, il faut que vous copiez-collez le code qu'on vous donne. C'est ça. Du coup, je vais évidemment en relancer un autre. Donc pour tous ceux qui voilà, n'avaient pas encore entré leur nom, vous pouvez à nouveau le refaire. Point d'exclamation KDO espace 1. Et voilà, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui avaient déjà marqué leur pseudo à l'intérieur, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec ton identifiant in-game en fait. C'est vraiment vous qui êtes acteur du... Pour le code, il faut que vous soyez logué avec votre compte et c'est vous qui copiez-collez le code. C'est ça. Quand on vous fait des cadeaux sur certains giveaways où est-ce qu'on offre des bateaux, des choses comme ça, auquel cas là, en effet, il faut qu'on connaisse votre identifiant in-game parce que c'est nous qui vous offrons quelque chose. Là, c'est pas le cas, c'est un code qu'il faut que vous activiez, c'est différent. Un coup tout off, ça faisait longtemps. Ça, c'en est un qui est en train de s'entraîner pour les ranked, ça. On en voit un peu de temps en temps. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu demandes? Que demandes-tu? Ton mou, est-ce que t'as... Si, ton mou, si. Tu topes un coup, là, pour qu'on vérifie ta clé de flux, tout ça. Ouais, si, ton mou. Tes accès, le... accès à Restream, la base, quoi. J'ai juste oublié de le faire, mais oui, on fait encore des snipes. Oui. Non naming sur C, mais non. Alors, il n'y a qu'un seul DD, parfait. Ouais, il faudrait que tu m'indiques quand est-ce que tu es dispo, ça va pas prendre longtemps, hein, mais il se fait très bien que les mots de passe aient changé. Ou... C'est des codes surprises, donc tu verras, donc tu entres le code et tu verras ce que tu as gagné. Oh, j'ai un petit lag. Yo, Wall Creek. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'aime tellement les nouveaux sons du jeu que j'ai coupé la musique. Moi la musique au bout d'un moment elle me gonfle, donc de base je joue pas beaucoup avec. Un peu de spot, Tirpitz, Soyuz, tout
ça c'est moi qui vois. Je sais pas si vous êtes à distance pour faire des trucs dessus. Malheureusement, non. Ça n'a pas servi à grand chose. Oui, n'est-ce pas ton nom? J'essaie de spotter B pour le DD. Ouais, mais le problème c'est que je suis pas en. Non, moi aussi en fait, ton mot je nage. Hein. Ouais, malheureusement, t'auras personne même pour t'aider sur le kid. Ouais, mais au moins ça spot un peu quoi. Simplement pour le faire smoker un coup, tu sais. Il s'est peut-être cassé d'ailleurs. Hein. Je pense, ouais. Ouais, BF free. Oui, enfin avec un Drake, un King. Non. Oui, je me comprends. Ah, voilà, tiens, il est là-bas, regarde. Voilà, le kid. Oui, donc je préfère plutôt le Balti. Ah, ils sont incapables de le tirer dessus. Et smoke. Voilà, je lui fais peur. J'ai vu où il était. Ils s'en vont tous. Et Yodoulou, Bulbix. Bien. Ah, merci empoisonneur, effectivement, ouais, ça c'est pas mal. Faudra que je le jette un oeil aussi. Bip. Pip, pip, pip. Ça sent la partie passionnante. C'est incroyable, mon proco tourne à 1% en stream. Oh. C'est bonheur. Bon ben. Celticos, je vais essayer de chercher ça, tiens. Ils sont en tous avec le clou qui chante sur le mal-aimé. Car ils s'en vont tous. Oui, c'est une belle brochette là, j'avoue.
Oui, ton Ah mou, oui, en t'étais fait, pas au courant, ton mou, c'est tous les tout est consos de base. premium. Ouais, Ils ont c'est ça. supprimé les consos normaux, en fait. C'est ça. Bip, bip, bip. Ne faites jamais ceci chez vous. Jeune sur le Soyouz. Hein. Oui, moi je cap en marche arrière. Hein. Je te vois. La cap, le move de la cap en marche arrière. Répète après moi, je ne suis pas un destroyer. Je ne suis pas un destroyer. On dirait moi. Tut tut. Je vais essayer de te choper le DD. Ah, il est derrière la montagne. Ça, just in case. Capable. Allez, viens, Kid, allez, viens. Allez, viens, gamin. Je crois qu'il sait pas ce qu'il attend. Non, mignon. Ah. Donc la cape qui arrive, ça par contre c'est pas de l'op. Fait grand chose là pour le moment. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, il s'est replié, il ne reviendra plus.
Ah oui, non, mais là, il déteste sa life, c'est clair. Parce que je vais revenir. C'est évident. Allez, on y va. Colorado. Voilà, petit feu. Bon, il est gentil. Secondes à tenir. Ça, c'est le top du kid. Encore un petit feu. Voilà, là, on est bon. Et voilà, ça c'est fait. 5 secondes. Je suis encore spot. Et ben hop. Allez mon petit kid. Tu aimes ta vie. Tu aimes ta vie mon kid. Je m'acharnais, sur le Colorado, mais pour voir si tu vas choper. Moi, le souci, c'est que moi, j'ai un petit Kutuzov là, qui mène pas. Ah oui, le Kutuzov, je m'approche pas. Non, pas du tout, Nicklin, c'est le fuseau. Ah ça, putain, c'est les autres là-bas. Ça va être compliqué. J'adore la capacité. Je fais très peu de dommages, mais t'as toujours une capacité qui fait peur, je sais pas. J'ai la capacité de faire demi-tour au bateau. Quand on approche les torpilleurs. Nicklin, c'est qu'on me demande pas mal d'autres navires en plus, hein, c'est normal. Là, je tire au jugé, mais ça devrait pouvoir toucher. C'est la même chose pour moi, vous savez, j'ai plein de bateaux à grinder, mais on me demande toujours de jouer des bateaux premium, donc c'est un peu ça le souci. Ce chip est honteux aussi. Allez, un petit coup de. On a fait les tuyaux. Maintenant c'est de la grande échelle. Est-ce qu'on a fait les tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Ok, à plus, Satikos. Merci d'être passé. Voilà. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Ah, je tiens un kid. Ah ouais, non, mais là, il est un petit peu loin pour moi. Et on va redescendre. Donc n'oubliez pas, point d'exclamation KDO, espace 1 pour tenter de gagner un code. Sauf Alex hein, qui a déjà gagné. Forcément.
Quasiment mort le machin. Mais est-ce que je lui ai collé au kin? Oui, tu m'étonnes. Point d'exclamation KDO Mazout. Oui, le point d'exclamation d'abord. Tous les obus américains pour les croiseurs, ouais, sont des obus avec un angle amélioré. Oui, tout à fait. Un petit peu moins d'une heure encore. Alors, Kusker, il faut rajouter un espace et un 1. Voilà, comme l'a fait Mazout en dessous. C'est vrai, ça, tu stream jusqu'à quelle heure, hein, Seb? Ouais, en gros, jusqu'à minuit à peu près. Sachant que Bastou est pas là. Hein. Oui, je sais, mais j'ai quand même envie de pas non plus me coucher trop tard. Il y a bébé qui se lève tôt le matin. Oui, du jambon, j'ai le booster. Mais... C'est bon que ça devienne un ado qui se lève très tard. Hein. C'est 10h le matin, hein, les ados. Le matin. Ouais. Oui, je sais. Mais j'ai dû jouer une fois, je crois, le booster. Voilà. Pour moi, la branche, en fait, des croiseurs légers américains s'arrête au Cleveland. Voilà. Donc ça c'est fait. Du guacaramel, du Mikasa, sérieusement. Hello in peace, comment vas-tu? Et bon, on va partir en T2. Donc nous partons en T2. Ah oui, t'as mis le cassa à faire. Oui, peace. En ce moment, là, il y a un giveaway en cours. Point d'exclamation KDO, espace 1. Et merci Incubus pour ton follow. Bienvenue à toi. Voilà. Ah ouais. Mikasa et Shukasa. Longue jambe. Mais quelle idée, Splolo. Moi, je fais pas les classer. Longue jungle verte aussi, hein, pas mal, avec 8,6 km de portée torpille toutes les 30 secondes, je dirais. Toutes les 28 secondes. C'est pas long. Je comprends pas qu'on continue à nous demander à jouer du Mikasa alors que le bateau est tout pourri. Écoute, c'est bizarre. Ouais. Tiens, oui, d'ailleurs, Nonneux, tiens. On a reçu là au port le Littorio et on a eu aucune news de la. C'est quoi en fait ce truc? J'ai pas suivi là. Oui, pardon, Nonneux. Je voulais te dire, on a reçu le Littorio, on a eu aucune news. Sur les changements? Non, mais le Littorio, on l'a jamais eu. J'en sais rien. Tu connais ma politique quant au bateau de test. Comme on peut pas en parler, bah, je sais pas. Donc, Je joue pas à côté. Je joue que quand quelqu'un est en live. Je vous le montre. Donc, deux secondes. Pas de bateau de test pour moi, c'est simple. Ah, c'est un Romain Azur Lane. Attendez. Alors là, c'est plus un bateau de test. Ah, d'accord. C'est bien. On aurait pu être prévenu quand même. Ben on doit l'avoir dans ce cas-là. On le reçoit demain alors dans ce cas-là. Non, moi je l'ai au port. J'ai au port, donc je l'ai aussi. Ah non. Non, effectivement, oui. Effectivement, il est en vente. Voilà, donc on va faire un snipe en T2 rapide. Hein, histoire de dire, moi je vais clore le giveaway en même temps. Voilà, donc si vous voulez jouer en T2, on y va. Hop, touc, voilà.
Peut-être que je vote prêt quand même. T'as pas. Voilà. Et après, donc, je clôt le giveaway. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc, je clôt le giveaway. Et qui t'est-il qui a gagné? C'est Ch'tiver. GG, Ch'tiver. Donc, montre-moi que tu es présent sur le chat. Et je vais t'envoyer ton petit code. Voilà. C'est exactement ça, Nicklin, ouais. Non, on savait qu'on allait recevoir des trucs Azure Lane, mais on savait pas quoi. Hop. Oui, ça devient vraiment pénible. Bulbix en face. Ton mou en face en Mikasa. GG ton mou. GG. J'allais dire Everett avec nous, mais je suis un petit con. Ah, Everett, il nous snipe beaucoup. Hein. Ouais, t'as vu. Hein. C'est fou. Hein. Bon, je suppose, une piste, qu'on a dû recevoir quelque chose. Silence taureau. Ce taureau a tellement de temps. Voilà, donc là, à nouveau, le giveaway qui est ouvert. Commandant légendaire, quel navire? Le commandant légendaire, c'est Yamamoto, hein, de mémoire. Ça marche très bien sur un cuirassé. Mais alors, très très bien. Voilà, ça marche très 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 bien. Alors le problème, c'est que ton mou, il sait mieux jouer que moi. Le Yoshino, je suis pas sûr. Mais oui. C'est vrai qu'en fait, avec le Mikasa, c'est très bien pour faire, pour égaliser le niveau des joueurs. À 5 km, tu touches pas. Non, Spoulolo, c'est encore pire. Voilà. Deux obus qui ont touché. Et voilà. Les deux n'ont peine. C'est beau. Je vais me bitcher ou pas. Fire alarm.
immediately. Bon, je sais que je vais me faire allumer ton mou, mais c'est pas grave. De toute façon, tes artilleurs sont ivres. Ils servent à rien. Mmh. Ouais. Ouais, ça sert à rien. Tiens, que je... Voilà. Par contre, je mets plein de hits à la secondaire. Voilà, moi aussi je fais un... Alors le Mikasa, c'est... C'est un navire de collection, comme le dit Wargaming. Ce qui signifie que c'est un navire qui est pas bon. Ouais, ouh, j'ai mis deux peines par contre à Boombix. En fait, le Mikasa était le navire amiral de la flotte japonaise à la bataille de Tsushima en 1905. C'est pas ça ton mou, mais j'avais Viribo Sumtis. Eh ben allez, ce sera... Et merci Trillion pour ton follow, au fait. Merci beaucoup. Ce sera peut-être mon dernier... ouais, peut-être. Comment tu t'en sors, Seb? Ouais, je fais le torpedo bit en T2. Qu'est-ce qu'il a fait Sib avec le Viribus ce matin? Non mais... Ah, les artilleurs savent toujours pas tirer. Non. Une game de... Ils sont incapables de mettre dedans. 106K. Mmh. Ah oui, effectivement. Ah oui, vas-y, vas-y. Il va cramer. Oui, vas-y, rame-moi, je peux couler, mon gars. T'as ça? Par contre, 943 points de vie, 9 secondes. Ah, d'accord, je suis tout seul. Ah. Mais ça, j'avais pas vu ça. Tu peux le faire. Ça va être compliqué. En plus, c'est Bulbix qui tire dessus. Bah oui, justement. Oh putain, je l'ai raté. Unacceptable. Contain it immediately. C'est la fin. Voilà. C'était beau quand même. Ah là là.
Il est donc du Viribus, hein, du T4. On part en T4. Je ne loupe jamais une occasion de pouvoir sortir. Mais oui, pardon, il était 5, ce colo. Fatigué. Mais oui, quand même, pendant un temps, il était T4. Ah, T5. Oui, T5, T5. Mais pardon. Bon, bah, Kamikaze, alors. Allez. Non. Et exact, voilà, je peux pas le montrer, je peux rien faire avec, effectivement. De toute façon, si vous regardez, je peux pas, hein. je l'ai pas. Allez, un snipe. Un T5. Voilà, il n'y a pas de souci, enfin. Il n'y a pas de souci. Ouais, non. Non. Après, c'est assez limité, malheureusement, une piste. Je peux pas tout mettre. Ton mot est avec moi au Fujin. Oh, le petit. Le scélérat. Le petit. Il est mesquin, vous le trouvez pas? Attends, hop, voilà, tac. Il est mesquin, il voulait être en face de nous. Espolo. Non, plus un quand même. Espolo plus un aussi. Ouais. Et après, je sais pas. Ouais. Bulbix en face. Oui. Alors, Alpha, quand tu regardes en fait le Viribus, 35 000 PV, c'est très très peu. Très très peu de PV, mais il compense par un blindage qui n'est pas dégueu du tout, surtout si tu es bien positionné. Ensuite, comme tu peux le voir, il est tout petit. Donc il est très difficile à choper. Et il a 12 canons en 4 tours et le triple, et ça c'est bien. Et en plus, il est relativement précis pour un T5. Donc voilà. Ouais, la dispersion est pas dégueu. Bon, par contre, il a pas d'entière. Ouais, c'était ce que j'allais dire. C'est un détail, ça. T'as pas besoin d'entière. S'est fait stratosphériser. Et vrai. Facile. Ah, je suis derrière. Ouais, c'est pas bien de tuer les bébés phoques. Tu me diras, Everett, il a sorti un navire qui est non.
Ok, donc s'ils sont en train d'avancer. Ouais, donc il est pas forcément très rapide. Mais il manœuvre assez bien. Et hop, et voilà, regardez. Oh oui, je bouge, je bouge. Oh, 4 pénétrations, il n'a plus resté grand chose au pauvre Kotowski. Ouf, mais il est bobo. J'ai coulé le Nicolas qui traînait dans sa smoke. Bonjour Fubuki. Qui est un Fubuki? Je bloque. Allez, Königsberg, vas-y, voilà, sacrifie-toi pour moi. Ça passe? Ouais, ça passe. Voilà. Croiseur ennemi coulé. Et maintenant je repars. C'est un stomp, on est en train de leur faire un stomp méchant. Oh, j'ai juste encadré. Dommage. Oh, il y a le Congo qui veut me faire. Qui veut me re-congolex. Voilà. Ah, voilà. Le souci, c'est ça. C'est que si t'es pas suffisamment anglais, tu plantes chichi. Bon, là, par contre, je vais. C'est ça. Et j'ai pas de bol. My turn. Ah, j'ai visé trop. L'ami là, c'est que t'as tellement peu de PV que à un moment ou un autre. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a un Congo qui sait jouer en plus. Non, pas les bombes à paix. Ils sont 4-4 de portée secondaire.
Parce que je sais que Bulbix il est de l'autre côté. Hein. Ça va être très compliqué. Ah, il m'a juste Ah oui, non mais évidemment, BZH. Good shit, Pedroni. Mm-hmm. Le Giulio César reste un navire. Voilà. Attention. A pu. Oui, je sais, Sib, je sais, Bou. Remettre en contexte d'un T5. Voilà, voilà. Hop, je vais. C'est de la triche, le T5. Oui. C'est clair. Je vais clore le giveaway. Toc. Voilà. Qui de ces tics a gagné? Banacho. Non, mais c'est pas un onothéiste, retire. Salut, Banacho. Voilà. Attendez, hop, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tac, tac, voilà. Hop, hop. Tac, 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 voilà. Hop. Et du coup, est-ce que j'ai d'autres... Ah bah oui, bah du coup, oui, Impero pour terminer, donc T8. On terminera en T8 avec le Littorio. Voilà. L'équiper. Je regarde si j'ai un truc à grinder en T8. C'est un code aléatoire, Alpha. Le giveaway pour ceux qui n'ont pas, ne sont pas encore rentrés, sinon les autres hein, c'est la même chose. Hein, voilà. Donc, si vous avez déjà mis votre point d'exclamation KDO espace 1, pas de souci. Espace 1, Kaline. J'ai de ça à faire en T8. Voilà, allez. Snipe. Qu'est-ce qui est ridicule, Tiatia? Allez, c'est parti. Évidemment. Ni. Tac. Coucou, Kaline. Voilà. Et là, ce sera ma dernière partie, je pense, celui-là qui est. Donc.
Bon, je suis content. En tout cas, je suis assez content de mon setup. J'ai encore des trucs évidemment améliorés, mais là, je suis toujours en 60 fps, 1,6% de proco. Je suis bien. Tout est en, et tout est au max. C'est cool. Bâtière. Moi, non, je suis pas la tête. X. Le bix en grave, c'est... Non. Non, mais non. Ouais. Oh, un joueur, putain. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure, moi. Ah bon, je faisais la tête. Pas spécialement. Je vais juste fermer la porte, j'arrive. Oui, il a tout changé sur son PC. Nouvelle CG, nouveau proco. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, nouvelle carte graphique et nouveau processeur. Des mêmes avec une grosse config de mal à faire toutes tes logiciels de stream plus le genre ultra. Oui, Tito, puisque il est en vente. Donc a priori oui. Et j'ai regardé. On n'a pas reçu un message comme quoi on n'avait pas le droit. Alors hop. Après alpha, ça dépend c'est quoi ta config exactement. Ouais. Et ça dépend aussi de tes paramètres de d'encodage. C'est un VIP, t'as vu, il a un diamant. Crotte. Je pourrais te donner un coup de main si tu veux, Alpha. Là, tu me contactes par Discord, on stoppe un rendez-vous et puis. Attends, Boubix. Ah, j'ai galéré aussi. Oui, spec, exactement. Descend dans tous les sens, Seb. Croirez-moi qu'il tape sur le chat avec mon ancien setup. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, comme j'ai changé aussi de clavier, qu'on est passé à un clavier anglais, un clavier portugais, il faut que je refasse ma config. La configuration des touches, mon setup des touches. C'est quoi la différence?
Ben, il y a le CCDI par exemple sur un clavier portugais, ce que tu n'as pas sur un clavier anglais. Je l'ai sorti le DD, enfin un DD. Bien joué. Il y avait une île là. Ah, c'est un chou. Moi, c'est chiot. A plus. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, si du coup, je rechange le clavier. C'est comme ça. Ça va être celui-là. Je vais essayer de caper. À moi, Alpha, à moi. Vous parlez à moi. Ok, à plus Tutti, merci d'être passé. J'ai raté. Par contre là je vais aller faire cramer l'Iowa. Trois qui me visent. Ah, il avance. Du coup là on peut y aller tranquille. Ouais, ça, ils aiment bien reculer hein, tous, hein. C'est incroyable. Je tiens à 18. Hein.
Allez. Ok, plus je t'y vais. Merci d'être passé. Et on va continuer tranquille. Ouais, c'est ça. Ben non, a pu. Il y a trop de lead, dommage. Je vais charger le cheveu. Je capte la pointe du nez. Oh, c'est tout ce qui reste au Hollande. Il a pris un coup entre temps, lui. Je l'ai tué. Vu. Oh, j'ai un joli petit démoine. 15 km 8. Voilà, un joli petit feu. 14, 13, 12. Oh ben non! Je ne dirais pas ça. Non, pas du tout ce plus long. Pour une raison très simple, c'est que la SAP des cuirassés est nerfée. C'est fait exprès, justement. Ah, l'Odin des torpes. Oui, ton mot. Oui. Il en a un gros paquet. C'est toujours bien les gros paquets. Ouais, c'est le problème ça, ton. Bon. Attends, on va essayer de faire un truc. J'ai le droit de tirer la tronche. Ah. Oui, non, oui, non, oui, oui, non. Elle a de l'impact, oui, mais pas autant que ça, ce polo. Dans le sens où je crois que c'est un demi. Je sais plus, enfin. Ouais, j'ai fait des tests, hein, ça. Crois-moi, même. Non, ça rentre pas autant. Voilà. Ok, plus ton mot, merci d'être passé. Ah ah! Et les Woodmix. Voilà, là déjà c'est mieux. Oui, non mais... oui, c'est plus beau. Non, enfin t'imagines. Ce serait juste... Ça marche, pour nous.
Ça serait juste horrible, horrible. Laissez-le-moi, laissez-le-moi. Ah. Je sais pas où sont passés mes obus là. Ah ben là non plus. Bien les secondaires là. C'est clair. Voilà. Du coup, je vais pouvoir en profiter pour tirer le dernier gagnant. GG, Brett, GG. Ah ouais, là c'est clair, il a pris tout le forfait overpen. GG. Allez, c'est parti. Qui a gagné? Attention. Ben c'est Eder Eric. Eric, es-tu encore là? Eric, Eric, Eric. Oh, c'est une partie, c'est une soirée plutôt sympa. Eric. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas là. Hein. Attends, je check. Si si, il est marqué dans le chat, donc il doit être là encore. Attends un tout petit peu. Eric, Eric. Eric deux, une fois. Eric deux fois. Eric trois fois. Ah bah tant pis. Bah, il a dû partir. Tant pis. Du coup, c'est Nostradivia. Nostra, es-tu là? Nostra. Non, a priori non. Il n'est plus dans le chat. Hop, on continue. Thierry. Thierry Kiri. Moi, j'aime beaucoup ce pseudo. Thierry Kiri. Non plus. Ah, mais bon, si on passe et qu'on s'en va, ça n'a pas grand-chose. Décidément. Ah, c'est ça, oui, mais bon. Pauletti! Généralement, le tout dernier giveaway sera toujours un peu compliqué. Pareil, Pauletti n'est plus dans le chat. Ah, décidément. C'est pas ma faute, hein. Voilà, et puis du coup, bah, forcément, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ah, ben bah, voilà, bah, Ender. Bon. Non, alors Elbitos, il est pas là. Alors, attends. T'as eu 10 secondes. Ah, attends, tac. Tac, tac. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Et Bitos, hein. Voilà. Tac, j'ai pas pour autant tout à fait terminé. J'ai pas... Attendez, 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 parce que touc Glegi, est-ce que Glegi est là? Oui, a priori, Glegi 988 dans le chat. Alors, je te conseille plutôt, Alpha, de passer. Via non mais c'est bon Kaline, c'est bon, via Nene en fait Alpha, parce que moi j'ai un problème apparemment avec Discord. Il faut que je me mette uniquement en push to talk si je veux que mes camarades qui sont en division avec moi m'entendent, donc c'est pas forcément super pratique. Il va falloir que je fasse un resetup de mon Discord. Voilà donc tac. Bon bah, Glegi Bulbix, ben voilà, Bulbix qui a perdu pour la dernière fois, c'est parfait. Voilà.
Donc Bulbix, toi par contre, tu es censé être là. Non, non, je suis pas là. Non, non. Et voilà. Tac. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais enregistrer ceci. GG, GG, Eric. GG. Je vais envoyer un raid. Ouais, je pense que c'est une. Je termine maintenant. Ouais, moi je vais arrêter là. Parce que mine de rien, ça se lève tôt demain matin. Tu as toute ma considération, Kaline. Voilà, j'espère que ce stream vous a plu. Merci à tous, évidemment, d'avoir joué avec nous ou contre nous. Non, j'ai pas le code du jour, Bulbix. Donc, je sais pas du tout. Donc, exactement, Nicklin. Donc, nous, voilà, n'oubliez pas, hein, donc, j'ai publié il y a peu la vidéo pour. Ok, on peut donner. Sur donc vidéo tuto sur le Friedrich der Grosse. En ce moment, je suis en train de préparer également donc le Grosse Courfours, la Gear et l'Alaska, parce qu'on l'avait aussi, on l'avait demandé. Voilà, donc j'ai quand même encore pas mal de boulot. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée, un début de nuit. Nene est en train de préparer le raid, donc voilà. Et de rien. Et sur ce, moi je vous dis. Déjà, ça y est, je suis prêt. Eh ben écoute, quand tu veux, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.